Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale cinéma. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Salut Olivier Piacentini. Comment vas-tu, mon ami? Impeccable, hein, tranquille. Hein, on se la coule douce, on va bien. Voilà, oui, on fait bien aller, il n'y a pas de problème. Alors, on a décidé de commencer un cycle de cinéma. Pourquoi on fait ça finalement? Qu'est-ce qui nous a pris? Disons que c'est toi qui m'as sollicité parce que tu m'as expliqué que tu avais une passion pour le cinéma. Oui. Et on s'est découvert une passion commune parce que c'est vrai que j'ai toujours une passion pour le cinéma depuis très longtemps. J'ai une passion un petit peu pour tous les arts, la peinture, etc. Oui. Mais enfin, c'est vrai que le cinéma, c'est passionnant. Et alors, bon, tu le sais, j'aime beaucoup le cinéma, disons, d'il y a 30, 40, 50 ans. Et j'aimerais le faire découvrir un peu à ton public, parce que je sais que c'est un public de jeunes et qui, parfois, ne connaît pas ce type de cinéma et est un peu biberonné aux blockbusters américains et aux comédies françaises pas toujours de très bon goût, on va dire. Hein. Oui. Et je pense qu'il y a vraiment des trésors dans le cinéma du passé et beaucoup de trésors. Il y a un âge d'or, moi, que je situe à peu près dans les années 60-70, avec des films qui vont vraiment intéresser même la jeunesse, parce qu'ils sont particulièrement transgressifs, particulièrement percutants. J'aimerais vraiment faire profiter de ça à ton public. Que demande le peuple? On vous offre de la culture comme ça, là, ça sort de nous, et c'est cadeau pour vous, les enfants. Alors, on a décidé de commencer par Pier Paolo Pasolini. C'est toi qui m'as proposé Pasolini, bon moi j'adore, et pourquoi c'est le premier nom qui t'est venu en tête? Justement pour essayer un petit peu d'intéresser immédiatement ton public avec un cinéaste, donc un cinéaste qui a produit dans les années 60-70, qui est un cinéaste déjà très politisé. Ouais. Alors à l'époque c'était la gauche qui était vraiment, qui phagocytait un petit peu toute la pensée politique dans les milieux culturels, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs, mais enfin à l'époque il y avait un ton beaucoup plus libre. Pasolini, dans ce monde-là, politiquement, c'est quand même un météore avec beaucoup de contradictions, on va en parler par la suite. Et alors, son cinéma est un cinéma qui est très trash et très transgressif. C'est vrai. Et justement, je pense que c'est ces deux aspects-là qui peuvent attirer le public d'aujourd'hui, entre autres. Et puis, derrière, il y a tout un message avec beaucoup de finesse, beaucoup de force, quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir. Oui. Et qui, à mon avis, va peut-être dérouter, mais en tout cas, certainement captiver les gens qui vont découvrir ces films. La première chose qu'on pourrait dire sur Pasolini, c'est que le début de sa carrière cinéma est tardive. Je crois qu'il a commencé à faire des films vers 39-40 ans. Oui, c'est pas très très tard, mais enfin, quand même, il a eu d'abord une œuvre écrite. Oui. C'était un poète, c'était un penseur, un essayiste. Un écrivain. Il s'est essayé à de nombreux genres, un dramaturge également. Il faisait des pièces de théâtre, oui. Voilà, et... Comment, en fait, à ton avis, qu'est-ce qui l'a poussé à faire du cinéma? Je ne sais pas si tu connais cette anecdote, mais... Je pense très simplement que... Bon, alors déjà, il avait, tout en faisant des pièces de théâtre et des œuvres, il écrivait aussi des scénarios pour des films. Oui. Et en écrivant les scénarios, il venait sur des tournages de films, des films de De Sica ou de Fellini ou autre. Et alors, en plus, il faut bien comprendre que Pasolini... Alors, il est de gauche, fondamentalement de gauche, mais c'est une gauche très populaire. Pasolini vivait vraiment avec le peuple, il aimait le prolétariat et même le sous-prolétariat. Oui. Et quand je dis il aimait, c'est pas évidemment comme Bernard-Henri Lévy ou comme Attali ou tous ces gens-là. Lui, il vivait avec, il partageait ces moments-là. Et toute son œuvre a pénétré d'ailleurs de cette passion. C'était quelqu'un qui avait une sincérité, qu'on aime ou on n'aime pas ses idées. C'est pas du tout ma tasse de thé, bien entendu. Mais en tout cas, il y avait une sincérité dans sa vie, dans ses fréquentations. Et il y avait donc ce côté très populaire chez lui. Il pensait que le cinéma était l'art le plus populaire. Mais tu as raison d'insister là-dessus parce que son premier long métrage, Acatone, parle vraiment des prolétaires de la ville de Rome. Il faut bien que vous vous mettiez un peu dans le contexte. Là, on est dans les années, fin des années 50, début des années 60. Il y a énormément de pauvreté en Italie. Là, on est 10-15 ans après la guerre. Ceux qui ont pu sont partis en France ou dans d'autres pays, et ceux qui sont restés, eh bien, en fait, on parle d'une pauvreté, on est presque dans le tiers-monde, là. Vraiment. Ah, complètement, oui, mais alors, on connaissait ça même en France, parce qu'à la même époque, il faut savoir, par exemple, Levallois-Perret, qui maintenant est la ville clinquante de la famille Balkany, à l'époque, on parlait de Levallois-Perret, c'était les bidonvilles de Levallois-Perret. Ouais. Alors, en Italie, c'était pareil, et en pire, il y avait vraiment... Et alors, effectivement, Acatone, ce premier grand film qu'il a tourné, ça parle de la vie d'un espèce de petit proxénète des quartiers qui donc vit avec une prostituée avec qui il fait faire le trottoir. Hein.
Et on le voit vivre dans un espèce de bidonville, oui, pratiquement. Mm-hmm. Hein. Mais alors, à la limite, et ça, c'est une constante dans l'œuvre de Pasolini, c'est-à-dire qu'il filme des gens qui sont dans les bidonvilles et on voit tout près les chantiers des HLM qui avancent et qui sont à proximité. Ouais. Et on voit aussi, tout le film, on voit la coupole du Vatican. Oui. C'est pour montrer que tous ces montres-là, quand même, sont très, très proches. Et l'avancée des HLM, ça, c'est une constante chez Pasolini, c'est l'idée que du conformisme qui avance. En même temps que le confort, il voit le conformisme. Et il voit, je dirais, l'aseptisation d'une culture sous-prolétaire qu'il affectionne ouais. beaucoup. Et il pense que tout ce modernisme va faire disparaître une forme de vie à l'italienne qu'il affectionne particulièrement. Et ça revient dans tous ses films pratiquement. Exactement, et surtout en fait au début, donc on peut dire qu'au début il pratiquait un cinéma dans la tradition néo-réaliste, c'est-à-dire en gros on met la caméra dans la rue, on utilise des comédiens pas forcément professionnels. Non. C'est le cas d'un certain nombre de ces comédiens. Pour parler de la réalité telle qu'elle est. Complètement, mais c'est-à-dire que ça, c'est des films qui traduisent vraiment la réalité des faubourgs les plus pauvres de ces grandes villes. Ouais. Et quand on voit ce film à Catone, ben, le choc qu'on a, c'est que c'est cru. C'est-à-dire qu'on le voit arriver dans la toute petite chambre où il y a juste un rideau qui le sépare du reste de la famille et il est avec donc sa fiancée, mais alors bon, il n'y a pas d'intimité, mais tout ça on le voit, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qui est masqué ou qui est évoqué de façon idéalisée ou autre, non, c'est cru, on voit vraiment, on découvre la vie de ces gens-là dans ces quartiers-là. Et puis par rapport à ce que tu disais, je crois dès son second film, dans Mama Roma, bon, je vais parler de la fin. Si vous voulez vraiment voir le film, vous n'êtes pas obligé de regarder les deux minutes qui suivent. Mais ce n'est pas vraiment des films à suspense, hein, Pasolini. Ce n'est pas des thrillers. Non, ce n'est pas des thrillers. Mais non. Tu sais, quand Anna Magnani, le personnage que joue Anna Magnani. Formidable dans le film. Hein. Magnifique. Oh là là. Quelle actrice incroyable. Oh. Quand elle perd son fils, et il y a un plan ensuite à la fin sur les immeubles, ce dont tu parles, les HLM. Ouais, ouais. Et on a le sentiment qu'elle se dit, mais tout ça pour ça, finalement. C'est ça. Je me suis battu pour vivre dans un coin de merde. Alors Mama Roma, pour moi, c'est peut-être le plus beau film de Pasolini. C'est un film merveilleux. Très émouvant. Vraiment, on pleure à la fin. On peut dire qu'on pleure à la fin, c'est vraiment le mot. Et c'est pas du mélo. Hein. C'est pas un mélo, c'est vraiment un film réaliste avec Anna Magnani, une très très grande actrice qui a été connue avec le film de Rossellini. Rome, ville ouverte. Oui. Et qui est une actrice, qui est une très belle actrice, on va dire, à l'italienne, bien en chair, mais qui, en plus, qui a vraiment, justement, cette fibre populaire. On voit vraiment... elle ne joue même pas. C'est pas une vedette, quoi. C'est une grande actrice. C'est une grande actrice qui joue des rôles très populaires, qui a joué dans plein de films comiques. Et alors, dans ce film, c'est une mère de famille, elle aussi, ex-prostituée, hein, et qui, maintenant que son fils a atteint l'adolescence, elle veut se ranger, elle veut changer de quartier, elle veut habiter, justement, de ces quartiers HLM, et on voit un peu son évolution, où elle loue l'appartement, elle installe son fils, elle l'amène à l'école, enfin, elle lui paye un scooter pour lui dire, bah, tu vois, maintenant, tu vas être quelqu'un, tu vas aller à l'école, tu vas travailler, etc. Mais on voit à travers le film, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'elle est systématiquement rattrapée. Ramenée à son passé. Et le gosse aussi est ramené à ses origines, parce qu'en fait, au lieu de fréquenter la classe moyenne inférieure, on va dire, qui peuple ses HLM, eh bien, il retourne dans ces faubourgs et ces espèces de bidonvilles, et en fait il aime fréquenter je dirais les milieux très très populaires, et donc au fond bien qu'ils aient atteint un certain confort, ils ont du mal à s'extirper de la réalité sociale qui est la leur à l'origine, quoi. Ça montre la difficulté à l'époque de changer de caste. En ce sens, Pasolini faisait un vrai cinéma de gauche, mais pas agaçant, en fait, un cinéma de gauche. Non, c'est un syndicat de gauche sincère. Voilà. Alors, on peut critiquer, mais on ne pourra jamais enlever à Pasolini sa vraie sincérité, sa vraie fibre d'homme de gauche. Mm-hmm. Et encore une fois, il ne voyait pas ses quartiers de loin comme ça, il n'en parlait pas sur un ton misérabiliste. Ouais. Pour eux, c'était des gens qui vivaient leur vie, qui avaient leur culture et une forme de culture authentique et sincère qu'ils partageaient. Ouais. C'était pas d'un air de dire, oh, regardez ces pauvres gens et tout. Non, c'est pas ça. C'est de dire que en fait, ils vivaient dans une culture qui est la leur, qui certes est méprisée des autres, mais qu'elle avait sa valeur et qu'elle les rendait heureux comme ça. Et qu'en passant une étape supplémentaire... Oui, changeant de classe sociale, essayant en tout cas. En essayant de changer de classe, d'abord, ils y ont du mal, ils n'y arrivent pas. Et deuxièmement, ça ne les rend pas plus heureux. Oui,
Voilà. Et le film, alors, est magnifique à tous les points de vue. D'abord, le jeu des acteurs, parce que Anna Magnani, encore une fois, mais même le jeune, oui. Le jeune qui s'appelle Ettore dans le film, il a une bouille particulière. Je veux dire, il a une tête particulière et vraiment une tête populaire. C'est ça, ouais. C'est une mine un peu persifleuse, un peu. Voilà, il fait un peu loulou de banlieue, quoi, on va dire. Mais... C'est l'époque, en fait, où les pays étaient si clairs et si mono-ethniques qu'on pouvait déterminer, on pouvait dire ça, c'est un Italien pauvre. Mais c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est étonnant. Oui, parce qu'en Italie, on voyait la tête des pauvres et des riches, on les reconnaissait. C'est ça, ouais. C'est un peu ça, c'est la vérité. Hein. C'est vrai que dans cette. On peut dire qu'il y a un premier cycle de Pasolini. Bon, tout ça, c'est pour eux, hein, entre les films. On peut dire qu'il a toujours fait des films qui étaient un peu aux confins de différents genres. Mais Pasolini a vraiment traité la question sociale. Par exemple, dans le moyen métrage qui est excellent, qu'il a fait La Ricotte. Excellent. C'est un peu la même chose. C'est ça. Alors là, ça a un côté plus persifleur, plus humoristique. On commence à être un peu dans le Pasolini, plus lyrique. Plus lyrique, c'est ça. Et alors, il faut dire que dans ce film joue. Un grand acteur et surtout l'immense, tiens, on fera peut-être une émission sur lui, Orson Welles. Qui a signé des films parmi les plus grands du cinéma, reconnus par tous les spécialistes, comme Citizen Kane, La soif du mal, etc. Bon. Et c'est un acteur en plus qui a une présence, enfin un charisme. Tu as raison de le souligner, parce que, alors que c'était, je crois, à peu près le début de la carrière de Pasolini, en 63-64, un mec comme Orson Welles lui a tout de suite fait confiance. Donc il a vu l'artiste en lui. Quoi. Mais Orson Welles avait une passion pour l'Italie et pour le cinéma italien. C'était vraiment son pays de prédilection. Et d'ailleurs, il en parle même dans un film qui s'appelle Le Troisième Homme, où à un moment donné, il y a une tirade et il dit. Le personnage qui joue dans ce film, me dit oui mais regarde alors les Suisses ils ont eu la paix, ils ont eu la démocratie et tout ce qu'ils ont su faire c'est des coucous, alors que l'Italie ils ont eu les Borgia etc et puis ils ont eu Michel-Ange etc donc il avait une passion justement pour ce côté extrêmement contrasté et passionnel de l'Italie je pense, et qui se retrouvait dans le cinéma. D'ailleurs je sors un peu de Pasolini pour vous dire ça, il y a un extrait d'un entretien qu'il donnait au Cahier du cinéma. Et je vous le mettrai en description de la vidéo, parce que c'est très intéressant. Il est interviewé par Truffaut ou Godard, je ne sais plus lequel des deux. Et ils sont très étonnés que Orson Welles aime De Sica. Parce que Truffaut considérait que De Sica faisait un cinéma beaucoup trop simpliste. Oui, un peu à l'ancienne, on va dire. Un peu à l'ancienne, qui manquait de subtilité, un peu convenu, on va dire. Voilà, ou même Le Voleur des Bicyclettes. Et Orson Welles disait, mais c'est un des plus grands films jamais tournés, vous ne vous rendez pas compte. Le Voleur des Bicyclettes, oui, mais je crois que quand même quelqu'un qui va le voir même aujourd'hui va te dire exactement la même chose. Mais alors. C'est intéressant parce que ça montrait un peu la dérive un peu déjà intellectualiste du cinéma français dès l'époque. Mais alors, moi je vais te dire franchement, et j'en ai parlé même avec d'autres personnes, j'ai pas une passion pour ce cinéma de la nouvelle vague française. Je trouve que justement c'est déjà le cinéma bobo intello et c'est un cinéma de gauche, on va dire comme ça. Mais alors justement ça traduit l'insincérité de cette gauche qui fait du snobisme, qui regarde les choses de loin avec distance. Quand on voit ce cinéma de Pasolini, encore une fois, c'est pas que je partage les idées de Pasolini, mais au moins on est au cœur de l'action, on est là où ça doit se passer. Exactement. On voit les gens tels qu'ils sont, c'est la nature humaine. C'est la nature de ces classes sociales-là qui est montrée sans idéalisme, c'est-à-dire qu'on n'idéalise pas, mais on montre quand même leurs valeurs, on montre ce qu'ils sont, on montre qu'eux aussi, ils ont des sentiments, eux aussi, ils ont des valeurs morales, ils ont une façon de vivre qui est la leur. Et tout ça, c'est vu sans misérabilisme ni sans idéalisme. Ça se veut très réaliste et très cru. Et moi, c'est ça que j'aime. Alors que ce cinéma de la nouvelle vague française, bon, alors après, chacun ses goûts. Hein. Genre Truffaut ou... J'ai pas la passion. J'aime bien Claude Chabrol, par exemple. Qui lui aussi décrit alors les milieux plutôt bourgeois, d'une façon assez au scalpel, on va dire. Exactement. Hein. Lui, j'aime bien. Mais des gens comme Truffaut ou Godard, moi, je trouve que c'est un cinéma lointain pour moi. Justement, là, on saute un peu plus loin. Le film a été réalisé un peu plus tard, mais un des films majeurs de Pasolini, c'est Théorème. Et ce que je trouve intéressant, pourquoi je voudrais en parler maintenant, c'est que quand je l'ai vu, le début m'a un petit peu ennuyé parce qu'effectivement, il y a un côté un peu godardesque. C'est très expérimental. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ennuyeux. Mais en fait, c'est au service d'une critique de la bourgeoisie. C'est là où c'est complètement différent de... Alors,
Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Ah, mais moi, alors, le film de Théorème n'est pas le plus facile de Pasolini. Je pense qu'il vaut mieux commencer, par exemple, par Mamma Roma, qui va plaire à tout le monde. Ah, c'est sûr. Si vous voulez commencer Pasolini, je vous mettrai ça en description de la vidéo. Quel programme suivre. Oui, parce que Pasolini avait aussi ce côté éclectique. C'est-à-dire qu'il pouvait aborder plein de genres différents et de manière différente. Mamma Roma, c'est le film qui plaît à tout le monde. Moi, je suis désolé, c'est un film, j'ai pu le montrer à tous les milieux, partout, les gens étaient époustouflés par la qualité de ce film. Théorème, ça va plaire vraiment à des cinéphiles. Oui. Parce que comme tu dis, c'est un film expérimental type années 60 qui peut faire penser à d'autres cinéastes, effectivement, comme Robert Bresson, Godard, etc. Bon. Donc c'est autre chose. Alors, ce film de Théorème, en fait, il faut le comprendre comme étant une suite contradictoire de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors revenons à l'Évangile du coup. Voilà, je vais en parler rapidement parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai parlé à un archevêque orthodoxe. Oui. Un archevêque copte il y a quelques jours de cette émission que j'allais faire. Il m'a demandé, mais vous avez parlé de quel cinéaste ? Alors je lui ai dit, excusez-moi, monseigneur, mais Pasolini, parce que on va en parler après. Pasolini est un cinéaste en plus très très cru. Oui. Et très. Surtout en fin de carrière, très trash. Ah, très trash, oui, vraiment, à tous les points de vue. Donc bon, je me suis dit, un prélat. Et alors, il m'a dit, mais vous faites bien car c'est un réalisateur chrétien. Oui. Ah, j'ai dit, je suis content que vous le disiez. Alors, il me dit, c'est un chrétien anarchiste, un chrétien iconoclaste, mais un chrétien quand même. Bon, parce qu'effectivement, il a eu le prix de l'Office Vatican quand il a tourné l'Évangile selon saint Matthieu, exact. Qui est la vie du Christ. Mais alors là aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un film où le Christ est idéalisé, comme dans les films de Zeffirelli, par exemple, où bon, on le voit toujours entouré d'une auréole, avec un physique hiératique, on va dire. Enfin bon, on dirait une icône. Non, là, on voit la vie du Christ. Le Christ étant un fils de charpentier de Judée de l'époque, entouré de ses apôtres, qui sont également des gens très humbles. Et on voit toute la vie du Christ se dérouler. De manière très réaliste. Un très beau film, vraiment, que je vous conseille. Un magnifique film. Je crois que même ceux qui ne sont pas chrétiens vont vraiment aimer ce film-là. Parce que, encore une fois, c'est vraiment la vie du Christ, quoi, en quelque sorte. C'est pas la vie idéalisée. On sent que Pasolini, à travers ce Christ, croit en Dieu. On sent qu'il croit que vraiment le Christ était investi de la parole divine. Mais... c'est tourné d'une façon, là encore, très crue, très terre-à-terre. Il aime vraiment le terre-à-terre et il aime, peindre l'homme tel qu'il est et le Christ y compris. Et c'est ça qui va peut-être plus nous toucher à nous aujourd'hui que des films qui sont beaucoup plus allégoriques ou beaucoup plus... je crois que la mystique est plus forte aujourd'hui sur un film comme celui-là. Les gens vont le ressentir comme ça. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Et donc, il a eu le prix de l'Office du Vatican. Oui. Sauf qu'en même temps qu'il a eu ce prix, il a été critiqué par Sartre, qui a dit que c'était un gauchiste de pacotille. Et plein de philosophes, que Chia, le fameux écrivain, là aussi l'a critiqué. Alors, deux ou trois ans après, il a fait un autre film qui s'appelle Théorème. Alors, pourquoi je relis Théorème avec... Peut-être faudrait-il un peu expliquer l'histoire, qui est finalement très simple. Théorème, donc c'est une famille très bourgeoise. Oui. Avec deux acteurs italiens mythiques qui sont Massimo Girotti et cette actrice que j'adore. Alors vraiment, c'est une actrice que j'adore, hein, qui est Sylvana Mangano. Qui a un visage extraordinaire. Très séduisant, magnifique, on dirait une statue grecque. Oui, elle est splendide, vraiment. Et donc, c'est une famille très bourgeoise, lui est un industriel. Et Laura Betty, qui joue un rôle extraordinaire. Alors, Laura Betty joue la maîtresse de maison, la gouvernante, effectivement, oui. Et elle aussi, c'est une actrice avec un physique très particulier. Très étonnant. Elle joue dans beaucoup de films, souvent des seconds rôles, et elle est toujours impériale, on va dire. Oui, elle est morte il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Et alors, tout d'un coup, arrive dans cette famille... tel un archange tombé du ciel, parce que c'est bien ça. En fait, c'est bien comme ça que Pasolini nous le présente. Un jeune garçon, apparemment très beau, lui aussi, très, très sexy, on va dire ça comme ça, enfin, qui est Terence Stamp, qui est à l'époque un acteur anglais très connu. Et il arrive dans cette famille, famille bourgeoise très conventionnelle, on va dire, très catholique, etc. Et il se trouve que petit à petit, il séduit les uns après les autres, les membres de la famille, alors hommes, femmes, etc. Par son charisme, son intelligence, sa beauté. Alors avec des plans qui sont quand même assez, explicites. Bon.
un côté un peu gaguesque, en fait. Il se tape toute la famille. Ah, il se tape toute la famille, oui. Tout le monde passe à la casserole, on va dire, on va dire comme ça. Alors, il ne faut pas croire que le film est vulgaire, ce n'est pas le cas. Mm. Mais il est assez troublant, on va dire. Ouais. Parce que lui-même génère un trouble, et un trouble qui touche les membres de la famille les uns après les autres, que ce soit le jeune garçon, puisqu'il y a un jeune garçon, la jeune fille, la mère, et pour finir, même le père. Oui. C'est la suprême humiliation. Complètement, le père cède aussi, même pas des avances, parce qu'il ne fait même pas d'avances. Oui. Et alors, il y a des plans, par exemple, où je crois qu'il est avec la mère dans le foin, ou je ne sais plus où, enfin bref, et on le voit, c'est amusant parce qu'il y a un plan qui ressemble justement à un des plans. Comme une auréole, un peu. Oui, comme une auréole de l'évangile selon saint Matthieu avec le Christ. C'est-à-dire qu'on voit presque la même chose, mais alors avec ce tome-là. Ouais. Et en fait, bon, tout le film, qu'est-ce qu'on retient du film ? Qu'en fait, il prêche la libération sexuelle. Mmh. Bon. Et que ce garçon-là est un peu un libérateur, et un peu comme pouvait l'être le Christ par ailleurs, mais sur ce plan-là. Alors, évidemment, ça a choqué énormément. C'est vrai. Il y avait surtout quoi ? Je crois que le film a été fait en 67-68. C'est ça. On était en plein dedans. Bon. Et donc, ça a énormément choqué. Alors là, par contre, le Vatican l'a excommunié suite à ce film. Il faut avouer que quand même, il y a l'effort. Ce que j'adore, c'est cette époque où il y avait une clarté dans les choses. C'est-à-dire, on considérait que quelqu'un était antichrétien. Hop, on l'excommunie. J'aime cette société. Oui, mais là, c'était pas le pape François. Les choses sont à leur place. Ouais. Ah bah oui, là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il fait un film où on voit le Christ d'une autre manière et c'est merveilleux. Et bon, le Vatican l'approuve et le sanctifie, même, on va dire, entre guillemets. Bon, c'est pas le cas, parce que quand bien même, ces tendances étaient connues. Parce qu'il faut quand même commencer par le commencement. Bien sûr. Pasolini était homosexuel, mais enfin, c'était pas un homosexuel. Il n'était pas banal, c'est-à-dire était vraiment compulsif. C'est-à-dire que sa sœur expliquait que tous les soirs, il partait en chasse dans les faubourgs de Rome, et justement, il avait une passion particulière pour les jeunes des milieux très populaires. Mmh. Bon. C'est un obsédé sexuel, c'est clair. On peut dire ça comme ça, voilà. Et alors, ce film, Théorème, traduisait également ses obsessions et ses fantasmes, en quelque sorte. Et à travers ce film, il a voulu se faire libérateur, un agent de la libération sexuelle. Je me rappelle qu'on a un public de droite et nationaliste. Restez avec nous, parce que vous verrez que justement, le point de vue de Pasolini sur le sexe a évolué au cours de sa carrière. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Le point de vue sur beaucoup de choses. Parce que, alors, pour notre public de droite, encore une fois, pour notre public chrétien, donc on va dire que c'est anti-chrétien. Mais enfin, comme l'a dit cet archevêque, il est chrétien. Alors, il est chrétien à sa manière, on va dire. Hein. C'est-à-dire que c'est un chrétien, encore une fois, un peu anarchiste, on va dire, un peu libertaire. Mais il est chrétien parce que tous ses films, et je regrette, mais tous ses films, il y a la morale chrétienne derrière ou au-dessus ou quelque part. Tous ses films. Et même, justement, c'est ça qu'on peut voir. Alors, on va dire que c'est une hérésie, clairement. Oui. Mais le fait, quand même, de faire un rapprochement entre le Christ ou un archange et la libération sexuelle montre bien qu'il veut... en quelque sorte donner une espèce de connotation religieuse même à ces tendances les plus fantasmagoriques, on va dire. Oui. Bon, donc encore une fois, je n'approuve pas en tant que chrétien, mais enfin je constate que lui-même était certainement un peu torturé entre d'un côté ses tendances et puis son christianisme qui était là. Oui, bien sûr. Et qui était bien là. C'est d'ailleurs une vision du sexe qui est très italienne, c'est-à-dire en fait l'idée qu'à la fois il y a un désir débordant, les Italiens aiment la chair, ils aiment bien manger, ils aiment bien baiser. Tu parles pour toi. Mais non, je parle de la vision traditionnelle et ambivalente que les Italiens ont du sexe. À la fois genre c'est bon, mais c'est péché. Et vraiment cette espèce de lutte. Oui. On a ça beaucoup chez Scorsese aussi, qui est d'origine italienne, un restaurateur américain, mais d'origine italienne, où à la fois il y a ce côté de délingué et en même temps, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais excuse-moi, tu lâches tous les réalisateurs italiens, parce que tu lâches Fellini, tu lâches Visconti. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tu lâches tous les grands réalisateurs italiens. Et alors, je vais faire un rapprochement. Tu as publié sur Suavello, je crois, un entretien que j'ai eu avec mon ami Grégoire Conlorme, où il me posait des questions sur l'âme italienne. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai répondu tout de suite ? L'âme italienne, l'Italie et la France, pour moi, c'est les deux plus grands pays, en termes de culture et en termes de grandeur d'âme. Pourquoi ? Parce que dans ces deux pays, il y a un hiatus. C'est-à-dire que les gens sont... C'est pas simple, notre culture. Notre culture, elle est basée sur un hiatus, une confrontation entre deux tendances contradictoires. Et les tendances contradictoires de l'Italie, c'est quoi ? C'est d'un côté le paganisme qui est issu de l'Empire romain, comme tu dis, l'amour de la chair, l'amour de la ripaille, l'amour d'une certaine forme de force qui va s'imposer, une énergie vitale. Et puis en face, tout ça est couvert par le catholicisme qui est
je dirais, notre morale, même pour un non-croyant, il a la morale catholique en lui, hein, un Italien. Bon. Et ces deux choses-là se confrontent, et bon, le curseur est placé, suivant les cas, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Une oscillation, en fait. Voilà, une oscillation. Mais alors, effectivement, c'est vrai que celui qui va plonger dans le paganisme va ressentir toujours une forme de sens du péché, enfin, une espèce de culpabilité par rapport à son catholicisme, et celui qui va être ultra-catholique va sentir probablement un peu de feu, un feu le brûler quelque part, et un appel qui va essayer de le pousser vers ailleurs. Donc, c'est la mentalité italienne, et je pense que Pasolini était en plein dedans, mais en plein dedans. Oui. En plein dedans, à la fois cette morale chrétienne qui est là, et puis ce paganisme qui, lui, était pratiqué d'une manière frénétique et même quotidienne, d'après ce que disait sa sœur. Hein. C'est-à-dire que c'est tous les soirs du nouveau. Hein. Tous les soirs, une nouveauté. Ce qu'on n'a pas dit aussi sur Pasolini, c'est que c'est un réalisateur qui a eu une carrière de cinéma courte, parce que malheureusement, il est mort, on en parlera plus tard, mais d'une manière tragique et brutale. Il a eu 15 ans de carrière, et pendant ces 15 ans, il a fait énormément de films. Un par an, parfois deux. Il a été très, très, très prolifique, en fait. Très prolifique. Et pendant qu'il y a cette période où il a fait Théorème, il s'est également attaqué il a revisité, en fait, des mythologies avec Oedipe Roy, Médée. Voilà. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est donc ce réalisateur, on va dire gauchiste, était pénétré de culture occidentale. Et quand on reprend Oedipe et quand on reprend Médée, ça veut dire qu'on reprend des mythes qui sont des mythes fondateurs de la civilisation occidentale. Et pas forcément des autres, mais vraiment de la civilisation occidentale. Et là encore, dans les deux films... Alors... Ça ressemble un peu à Théorème sur le plan de la structure. Hein. Oui, la structure, c'est très expérimental comme film. C'est pas toujours très chatoyant, on va dire. C'est pas toujours très. Non, c'est vrai. Mais ça, là encore, ça revisite le mythe sur un plan très cru, très populaire. On voit, c'est pas idéalisé comme des péplums ou autres. On voit les gens traverser le fameux chemin où il va rencontrer son père, et c'est un chemin de terre. Ils ont de la poussière, ils sont sales, ils sont échevelés. On voit ce que pouvait être la Grèce à l'époque. Oui, c'est-à-dire en fait, pour expliquer aux gens, bon, il faut que vous voyez ces films-là pour vous en rendre compte, mais paradoxalement, même si il y a une forme d'amateurisme parfois dans les films de Pasolini, on les regarde, on se dit mais c'est bidon, c'est fait bizarrement. Oui. Le travelling est étrange, ça tourne mais la caméra chaos. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez le sentiment quasiment magique d'être projeté vraiment à cette époque. C'est ça. C'est du faux amateurisme. Ouais. C'est du faux bricolage. Ouais. C'est un bricolage qui est fait pour donner la sensation, je dirais, de réalisme. Ouais. Il faut que ça fasse réaliste. En fait, on a le sentiment d'être projeté à cette époque. C'est assez incroyable, en fait. Oui, à cette époque, avec ce que ça suppose. Et c'est, encore une fois, on est quand même à la grande époque aussi des péplums, avec le déclin de l'Empire romain, le film d'Anthony Mann, etc. Enfin, tous ces films-là. Et là, on voit vraiment l'Antiquité d'une autre manière. Exactement. On voit l'Antiquité comme étant la vie telle qu'elle devait être à l'époque. Et le mythe, eh bien là, il est très cruel à la fin. Et encore une fois, quand il se fait crever les yeux à la fin, on voit les yeux se faire crever. C'est des scènes marquantes. Même dans un film de Pasolini, vous dites « Oh là là, c'est trop expérimental, je décroche, c'est bizarre, c'est vraiment les années 70 ». Ben, il y a toujours un moment où vous dites « Mais ah là, il y a du génie ». Enfin, c'est vraiment cette sensation. Oui, alors le génie, il est partout, on va dire. Ouais. Mais alors, il y a des moments où il éclate. Et le génie de Pasolini, on va en parler pour d'autres films, c'est que vraiment, toutes les scènes, encore une fois, on ne se rend pas compte de quelque chose. Mais les scènes de films d'horreur, par exemple, qu'on a là maintenant, sont des scènes qui sont complètement travaillées, avec, je dirais, tout un éclairage spécial. Enfin, la scène où il se fait crever les yeux, il se fait crever les yeux, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'habillage. On dirait qu'on est là, qu'on va crever les yeux à quelqu'un. Et ça fait d'autant plus mal, et c'est d'autant plus fort. Il y a une brutalité. Il y a une brutalité. Pasolini voulait que la réalité éclate à la figure des gens. Voilà. Il ne voulait pas que les gens soient dans une espèce de mousseline confortable où on arrange, on crée du confort, on crée une illusion. Il voulait que la réalité éclate à la figure des gens. Ouais. C'est ça qui est clair et net chez lui. Et très peu de réalisateurs ont atteint ce niveau-là, Vrai, vous avez parfois des chocs quand vous voyez des films de Pasolini. Je me souviens au début du Décaméron, tu sais, juste après le générique, un homme se fait tabasser dans un sac avec une batte. Et j'ai rarement eu ce sentiment d'une violence inouïe, quoi. Même les bruitages. Hein. Oui, c'est ça. Même le bruitage. C'est-à-dire que le bruitage, on a l'impression de voir le crâne, d'entendre le crâne se faire taper. Enfin, on sent que c'est le vrai bruit, quoi. En quelque sorte, je ne sais pas comment il est tourné. Hein. Je ne sais pas si le mec s'est vraiment pris des coups sur la tête. En tout cas, il a bien reproduit le. Ah, complètement. Alors, là, on parle de sa carrière de cinéma. Après, on reviendra peut-être sur sa vie ou ses idées politiques. Le troisième cycle de Pasolini est là, à la fois plus tragique,
cauchemardesque et expérimental. Je mettrais dans cette catégorie, par exemple, Porcherie. Finalement, la trilogie de la vie, on va expliquer quel est le concept. Ah, c'est pas très tragique là-bas. C'est pas tragique, mais c'est étrange. On est vraiment, c'est onirique, c'est ça que je voulais dire, quoi. Oui, mais c'est onirique et réaliste à la fois, quand même. Oui, hein. Oui, c'est vrai. C'est assez spécial. Hein. Au début des années 70, Pasolini a eu le projet de faire un certain nombre de films érotiques. D'époque, on va dire, passant à l'époque médiévale ou autre. Comment on peut décrire ces films, finalement? Alors, on va prendre le Décaméron. Le Décaméron, oui, c'est des histoires je dirais, d'un écrivain de la Renaissance, du Moyen-Âge, ouais, qui était Bocasse. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est des scénettes, c'est des sketchs, en quelque sorte, hein, mm-hmm, qui sont des nouvelles d'un Bocasse qui était un peu un genre de Rabelais italien. Oui. Alors, on peut le voir comme ça. Bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces sketchs? Alors, le film est à mourir de rire, hein, je pense que c'est clair et net. Et quand je vous dis ça, je l'ai montré à mes neveux qui avaient 18 ans, hein, qui n'avaient jamais vu un film comme ça. Mmh. Et j'ai montré, ils se sont arrêtés devant la télé, puis ils n'ont plus bougé du film. Enfin, ça les a complètement étourdis, quoi, en quelque sorte. Ils n'avaient jamais vu ça au cinéma. Parce qu'en fait, là encore, c'est tourné de façon très crûment. Alors, par exemple, il y a un premier sketch où c'est des bandits qui, je dirais, essayent de tromper quelqu'un qui vient chercher, je dirais, un trésor dans un château. Et puis finalement, ils le font tomber dans la fosse à merde. Oui. Bon, on va parler comme ça. Bon, mais alors, tout est vu, quoi. Je veux dire, tout est montré. Oui, c'est ça. C'est vraiment bon. Et alors, là encore, dans un film comme le Décaméron, il y a beaucoup de sketchs qui ont un rapport avec le sexe. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a que ça. Ce sont des films érotiques, en disant. Voilà. D'auteur et érotique. À un tel point qu'il a même été classé X, celui-ci, à un moment donné. Oui, car c'est le seul film de l'époque qui n'était pas un film X à proprement parler, mais où il y avait une scène d'amour filmé intégralement. On voyait les parties génitales, simplement. Ah, on voyait tout, oui, mmh, vraiment. C'est le fameux sketch où c'est le jeune qui pénètre dans un couvent. Mais oui, je m'en souviens. Ouais. Voilà. Oui, il fait un strike, en fait, en s'occupant d'un certain nombre de nonnes. Alors, c'est amusant parce que le jeune en question donc, a une bouille très populaire, il lui manque des dents, ouais, on voit vraiment sa tête, je dirais, sa tête de paysan, puisque ça se passe encore une fois au Moyen-Âge, ouais, dans une campagne avec un monastère autour, et le jeune s'introduit dans le monastère. Et puis, il rencontre une bonne sœur qui est là. Oui, oui. Et bon, ben, il arrive ce qui doit arriver, quoi. Enfin, en quelque sorte, hein, voilà, ça, la bonne sœur, bon, était peut-être fatiguée de sa chasteté. Voilà, et elle cède tout de suite au jeune. Et alors, toute la scène est tournée et on voit tout ça. Bon, voilà, oui, c'est comme ça. Alors, bon. C'est un mélange d'humour, de sexe, de joie. Il a voulu montrer qu'il y avait de la joie, en fait, à cette époque, malgré tout. Ben, c'est-à-dire, il a voulu déculpabiliser le sexe, quand même. Mmh. Voilà. Et dans tout le film, c'est ça, parce qu'il y a plein de sketchs, bon, vous les verrez, hein, c'est assez cru, on va dire, là encore. Mmh. Hein, et bon. Mais bon, il faut comprendre quand même qu'à cette époque, c'est la réalité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a été trop loin dans l'autre sens, mais enfin, à l'époque en question, on va dire quand même qu'il pesait sur la sexualité une forme de, je dirais, de licence, hein, de désapprobation. Enfin, on ne parlait pas trop de ça, quoi. Oui, on va oui. dire, c'était quand même particulièrement tabou, bon, mmh, en général. Et par exemple, on ne parlait pas de ça avec nos parents, ou on ne parlait pas de ça, c'était vraiment, bon. Mmh. Et alors, à travers ces films-là, il a voulu déculpabiliser, un peu décoincer la société, mmh, en montant ça de façon très crue. Et les films, encore une fois, sont très réalistes, et ils montrent les choses. Et en fait, on montre que la nature nous pousse à ça. Mmh. Je crois que tout le film nous dit, voilà, la nature, elle est là. Oui. Elle n'est pas ailleurs. Bon, alors on apprécie le message ou pas, mais le film en tout cas est vraiment très bien filmé. Mmh. Les sketchs sont tous terriblement drôles. Il n'y a pas un sketch où on rigole pas aux éclats. Oui, oui, hein, oui. Et encore une fois, c'est tourné d'une manière vous ne verrez pas d'autres films que cela tournés de cette manière-là. Vous ne verrez pas la façon dont c'est filmé, les couleurs, les têtes des acteurs, parce que c'est des têtes que vous voyez dans la rue, en quelque sorte. Oui, c'est vrai, dans c'est les vrai. Campagnes, quand vous voyez un mendiant chez Pasolini, mais vous dites, mais c'est vraiment un mendiant. C'est là, vraiment il a mendiant. Chopé dans la rue, c'est pas possible. Quoi. Bah oui, mais c'était un peu le cas, d'ailleurs. Ouais, hein, c'était ouais. un peu le cas. C'était des gens... Tiens, d'ailleurs, dans le film, joue l'acteur principal qui revient dans plusieurs sketchs, c'est Ninette Todia. Ah oui, qui était... Oui. Qui était son amant. Ouais, bon, ouais. Qu'il avait rencontré, bon, comme ça, dans la rue, hein, là. Un de ses acteurs fétiches avec Sergio Chiti. Oui, ouais. Voilà, Sergio Chiti et Franco Chiti, mais qui, eux, étaient vraiment des acteurs, en quelque oui, sorte, qui étaient oui, professionnels. Oui, c'est vrai. Mais lui, Ninette Odiavol, il n'était pas oui. du tout acteur. D'ailleurs, enfin, c'est lui qui l'a rendu acteur. Voilà, c'est exactement... Bah, il a joué qu'avec lui, hein. Il avait ouais. joué qu'avec Pasolini, hein. Il faut dire que... C'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, Pasolini s'est entouré d'une troupe d'acteurs qui revenaient très souvent, et quand vous regardez ces films, vous avez vraiment l'impression d'être dans des cosmos très clos.
Voilà. Où en fait, un même acteur, c'est comme des univers parallèles. En fait, tous les films se ressemblent un peu, mais en même temps sont très différents parce que c'est toujours les mêmes acteurs en fait qui reviennent. C'est toujours les mêmes acteurs. Il y avait des acteurs qui ne tournaient pas avec Pasolini, même. Et c'est même étonnant que Silvana Mangano, par exemple, qui est vraiment une déesse de beauté, ait tourné dans ce film-là. Mais alors bon, elle joue le rôle de la bourgeoise, on va dire. Hein, c'est vrai. Et elle a un physique qui est quand même assez assez idéalisé, on va dire. C'est un peu une physique d'une madone un peu spéciale, on va dire. Mais bon, mais sinon, il prenait toujours des acteurs, des gens de la rue. Ou des acteurs un peu avec des têtes tout à fait ordinaires. Bah, je crois que ce dont tu parles, c'est l'attirance des grands acteurs et des vedettes pour les génies. Quoi. C'est-à-dire que c'est toujours un peu curieux, même quand on se dit pourquoi Tom Cruise a tourné avec Kubrick, c'est quand même étonnant. Quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est parce qu'en fait, c'est la volonté de faire un grand film. Mais bien sûr, parce que enfin, bon, je pense que Tom Cruise savait très bien qu'avec Kubrick, il allait. Honnêtement, c'est le rôle peut-être qu'il marque le plus. Oui, c'est vrai. C'est oui. le rôle qui va rester. Oui, c'est dans, bah, bon, il y a Mission Impossible aussi, il y a d'autres films. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait beaucoup de films. Enfin, c'est ce rôle-là, il est particulier dans sa carrière. Tout à fait. Ouais. Et c'est ce qui lui donne une autre dimension. C'est-à-dire que ce n'est pas un acteur de films commerciaux, c'est aussi un acteur de films de génie, comme Kubrick pouvait l'être. Et d'ailleurs, peut-être qu'on émission sur lui, parce que vraiment... On le proposera. C'était un as. Hein, immense réalisateur, peut-être l'un des plus grands, sinon l'un des plus grands, oui. Donc, alors, il y a ce début des années 70 où Pasolini franchit le Rubicon, fait des films érotiques, il se lâche, en fait, il s'amuse. Il y en a trois, Les Contes de Canterbury, le Décameron, tu en as parlé. Et le troisième, Les Mille et Une Nuits, qui est celui que préfère Pasolini. Je ne sais pas quel est ton avis sur ce film, qui est très beau. Moi, il m'a beaucoup plu. Alors, honnêtement, j'ai moins aimé que les deux autres. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bah, peut-être l'univers. Enfin, ça se passe en Orient, c'est un peu différent. C'est un univers un peu de magie, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais alors, je trouve qu'il y a des scènes avec des trucages qui ne sont pas toujours très réussis, pour être tout à fait clair. Oui. C'est très idéalisé parce qu'il y a quand même beaucoup de choses entre le génie de la lampe, etc., dans Les Mille et Une Nuits, qui sont difficiles de retranscrire, à mon avis, dans le cinéma de Pasolini. Ceci dit, il y a beaucoup de scènes extrêmement amusantes. Alors, il y a aussi toujours cet acteur du fameux paysan qui se tape la nonne. Il revient en mode oriental. Oui, je crois que c'est ça. Effectivement, c'est un film qui est censé se passer en Orient. Le fait de voir des acteurs italiens te sort un peu du truc, tu te dis... Mais il n'y a pas que des acteurs italiens, parce qu'il y a une actrice certainement du genre éthiopienne, qui est d'ailleurs très charmante dans le film, et qui apparemment, et qui elle aussi a un physique très particulier. Très curieux. Très curieux. Bon, le film, des trois, c'est celui qui m'a le moins plu. Après, bon, chacun ses goûts. En tout cas, ces trois films qui sont un peu de la fin de carrière de Pasolini étaient des éloges de la joie du sexe, en fait. Oui, c'était vraiment le sexe comme moyen de distraction, d'amusement, de défoulement de l'énergie humaine c'est pour lui c'était quelque chose de naturel, on va dire. Précision, dans le film il y a aussi des amours homosexuels, enfin il y a tout type de choses se succèdent. Alors il faut dire que il pouvait pas trop passer à côté, parce que bon, apparemment il avait quand même un gros penchant, hein, C'est fou comme le cinéma a changé en 10-15 ans, parce que ce qui était impossible à voir en 1959, tout à coup les gens le voyaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du pas qui a été fait. Un choc énorme. C'est un incroyable. Choc énorme, Et d'ailleurs, après, le cinéma est revenu en arrière. C'est-à-dire que les films de Pasolini, à l'époque, sortaient au cinéma. Aujourd'hui, vous demandez si ce serait possible. Ces films-là ne pourraient plus, à mon avis. On ne pourra plus jamais voir ça. Non. D'abord, parce qu'il faut bien comprendre qu'on était à une période où... je vous invite à voir un film. C'est un film très intéressant. Ce n'est pas du tout un film italien. C'est un film de Robert Altman qui s'appelle « The Player ». Et qui est un film qui a été tourné, je crois, en 1993. Et qu'est-ce qu'on voit dans le film ? Alors, c'est allégorique. C'est les producteurs qui tuent les auteurs. Et en fait, c'est un crime. C'est un auteur qui est assassiné. Oui. Et en fait, il est tué par un producteur. Et tout le film, c'est l'intrigue policière autour de ça. Mais en fait, c'est une allégorie. Dans les années 65 jusqu'au début des années 80, que ce soit à Hollywood, que ce soit en Italie et également en France, les producteurs ont laissé la bride totale aux créateurs, aux artistes. Oui. Voilà. Donc aux États-Unis, c'était par exemple Arthur Penn, c'était Peckinpah. Le nouvel Hollywood, après. Le nouvel Hollywood, voilà. Brian exactement. De Palma, Martin Scorsese. Voilà, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, etc. Bon. Même George Lucas. Bon, c'est une super production, quelque part, La Guerre des Étoiles, mais il faut imaginer l'audace qui a été celle de George Lucas. Oui, bien entendu. Pour ça, personne ne croyait à son projet. Bien sûr. Et c'était considéré comme un film indépendant. Mais même Spielberg, au début, quand il a fait Duel, ou quand il a fait. Tout à fait. Il a fait, avant de faire Les Dents de la Mer, il avait fait Duel, il avait fait un autre film. Oui, sur la guerre. Non. Pas celui-ci. C'était un espèce de road movie, alors je ne sais plus comment. Sugarland Express.
Ah oui, superbe film exact, d'ailleurs. Exact. J'aimais beaucoup ce genre de film. Bon. Et donc tous ces auteurs, en fait, c'était des auteurs. Hein, ils faisaient des films qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant, parce que avant le cinéma américain était d'abord sous la férule des studios, et il était aussi codifié par ce qu'on appelait le code Hays, qui interdisait un certain nombre de choses à voir, c'est-à-dire une femme qui trompe son mari, enfin des choses comme ça. Il y avait beaucoup de choses qui étaient plus ou moins interdites, ou en tout cas qu'il fallait édulcorer, on pouvait pas montrer, il fallait simplement suggérer. C'est ça. Ouais. Et c'était un cinéma qui était devenu très aseptisé par rapport à l'époque. Exact. Et tout ça voulait en être là. Ah ben voilà. Voilà. Après, on considère qu'à partir de, je crois que c'est La Porte du Paradis, à partir de ce film-là de Michael Cimino. Ah ben oui, c'était la ruine du studio. Donc. Voilà, c'est ça. On a dit bon, là, réalisateur, vous êtes sympa, mais enfin, quand vous on vous laisse faire, vous nous ruinez quoi. Voilà, vous nous mettez sur la paille. Alors, les films sont beaux, mais oui, ça a été un échec commercial pas tant. Et c'est d'ailleurs bien dommage parce que j'adore Michael Cimino de La Porte du Paradis et ce film magnifique, Voyage au bout de l'enfer. Ah là là. Quel film. Un chef-d'œuvre époustouflant. Hein, et c'est dommage qu'il n'ait plus fait de grands films comme ça par la suite, parce qu'on ne lui a pas donné moyen, bien sûr. Oui, hein. c'est ça. Voilà. Une carrière comme ça détruite. Hein. Voilà. Alors, pour revenir à Pasolini, donc, effectivement, il a bénéficié de ce souffle de liberté qui correspondait en fait à son talent, à son insolence. Mais moi, ce que je trouve beau dans la fin de sa carrière, c'est qu'il y a comme un acte artistico-politique où il fait ses trois films érotiques, plutôt joyeux, et où tout à coup, il a l'intuition de ce que va devenir la société de consommation, c'est-à-dire complètement. Mais ça, il l'avait déjà. C'est vraiment dès le début, très important. Hein. Ouais. C'est très important. Ouais. C'est le côté un peu droite entre guillemets de Pasolini. Et d'ailleurs, j'ai fait récemment une conférence sur la mondialisation totalitaire. Et il y a quelqu'un qui m'a mis comme commentaire. C'est très intéressant ce que vous dites. Lisez les écrits corsaires de Pasolini. Mais en fait, il y a pas que les écrits corsaires, parce que même ces films. Pasolini, en fait, c'était un identitaire entre guillemets. Un identitaire prolétarien, mais nationaliste également, entre guillemets, ou régionaliste. Enfin, pour lui, l'identité, c'est la vraie identité venait du peuple. Oui. Elle ne venait pas des élites. Pour lui, l'identité des élites, c'est une identité de façade, en fait, de prestige. Mais la vraie identité d'un peuple, elle était dans son peuple, dans ses éléments les plus terre-à-terre, les couches, on va dire, les couches principales de la société. Et pour lui, l'identité, c'était primordial pour la survie d'un homme et la survie d'une société. Et que disait Pasolini ? Il disait, voilà, quand on vous dit ces fameux films genre Acatone, Mama Roma, où on voit l'avancée des HLM, eh bien, l'avancée des HLM, pour lui, c'est l'écrasement des identités populaires, des identités paysannes, mais aussi des identités des faubourgs, tous ces petits artisans, toutes ces petites boutiques, même ces gens qui se sous-prolétariat qui est là, qui essaie de gratouiller autour et de faire son petit commerce. Parce que dans Mama Roma ou dans Acatone, on voit ces espèces de marchés de récupération, on voit tout ça, on voit comment ça vit. Ouais. Et lui, il sait que tout ça va disparaître. Et il dit que la société de consommation, c'est le génocide. C'est un génocide sans mort. Oui. Voilà ce qu'il dit. Oui. C'est le génocide des identités prolétaires, mais italiennes et régionales, romaines ou milanaises ou autres. Pour lui, c'est ça. Et dans tous ses films, ça apparaît. C'est bien que tu me rappelles ça, parce que c'est vrai que c'est un aspect essentiel qui rejoint là complètement, je dirais, nos idées. Oui. Hein, qui rejoint un petit peu ce qu'on ressent. Et c'est pour ça qu'on aime quand même Pasolini, même si on n'est pas d'accord avec lui. Je dirais même sa façon de penser, que je n'approuve pas, on va dire, aux deux tiers, mais on sent déjà de la sincérité, puis on a des points, des ponts qui sont entre nous. Oui, c'est malgré son obsession sexuelle personnelle, il a vraiment ce coup de génie, cette intuition de se dire, mais la libération sexuelle, elle va pas vers ce que je croyais. C'est-à-dire qu'en fait, elle enferme les gens dans leur vie et les empêche de se révolter contre un pouvoir qui les endort, en fait. Exactement, mais même par exemple, Pasolini détestait la pornographie au sens stricto sensu du terme. Lui-même en faisait, on va dire. Mais il faut le voir, quand vous le verrez, vous verrez. C'est-à-dire que lui, ce qu'il détestait, c'est la pornographie usinée, on va dire. La pornographie, retravaillée, commercialisée et autres. Lui montrait, en fait, pour lui, c'est pas de la pornographie. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il voyait la description d'un acte sexuel entre deux gens qui s'apprécient, et puis voilà, bon, c'était pas quelque chose qui avait une portée commerciale ou une portée plus attractive que ça, enfin, quelque chose d'addictif. Non, il essaie de montrer la vie, ce qui peut attirer les hommes et les femmes. Voilà. Il n'aimait pas la commercialisation de ça derrière. C'est, même si on peut être excité par certaines scènes, parce que par sa, comment dirais-je, la passion qu'il met dans sa façon de filmer, parfois il y a des scènes excitantes. Mais globalement, c'est pas des films faits pour se masturber, quoi. Je veux dire, on lance pas un Pasolini, c'est pas des films porno, quoi. Non, c'est pas du porno. Non, à proprement parler, c'est vrai que c'est pas du porno. Et
Bon, le Décaméron a été classé X par rapport à cette scène, mais enfin, c'est encore une fois, c'est pas du tout les scènes que vous pouvez voir par ailleurs dans d'autres types de films. C'est trop réaliste pour être excitant en réalité. Enfin, moi, en quelque sorte, oui. C'est, mais c'est pas fait pour être excitant. En fait, c'est fait pour montrer la réalité humaine crue. Voilà, je crois que c'est ça le point. Et c'est pas fait pour exciter les gens et en faire quelque chose où on est captivé par l'écran parce que on a envie, etc. Oui. Non, c'est fait pour montrer ce que c'est que des êtres humains. C'est ça. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que avant qu'on aille vers la toute fin de sa carrière, je voudrais insister sur le fait que pour moi ces films sont exceptionnels, là, ces trois films érotiques, parce que ce sont les rares films, je trouve, où ce sont des films érotiques où le sexe n'est pas vu comme quelque chose de triste. Parce que souvent dans le cinéma indépendant, par exemple dans Lars von Trier, quand on regarde Nymphomaniac, on se dit le sexe finalement c'est une chose terrible. Et il n'y a pas trop cette vision-là, je trouve, chez Pasolini. Alors c'est vrai, mais alors tu parles de deux époques différentes. C'est-à-dire que justement, Nymphomaniac de Lars von Trier, ça décrit, à mon avis, l'excès de sexe qui devient mécanique et où en fait on se plie à ça. Parce que c'est devenu la norme de la société. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois dans ce film-là. Bon, c'est-à-dire que là, c'est devenu le sexe, c'est devenu une obligation, en fait, en quelque sorte. Voilà. C'est une obligation de se conformer à des rites sexuels qui sont présentés comme étant des formes de vie idéales, on va dire. Bon, mais à l'époque, c'était pas ça, puisqu'à l'époque, il y avait encore une fois le goût du péché qui planait au-dessus. Et donc, lui a voulu montrer. Il n'a pas dit aux gens, allez-y, débridez-vous. Il a dit aux gens, mais nous, les êtres humains, on a notre part animale qui nous incite au sexe. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas, allez-y, forniquez. Je crois que ce n'est pas le terme. Ouais. Il veut dire, ne prenez pas ça comme un péché. C'est notre nature. Voilà ce qu'il dit. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Oui, je ne sais pas toi de ton côté, mais... Et ce n'est pas une incitation à un sexe débridé, même si on sait très bien que lui, était apparemment très poussé sur la chose, on va dire. Bon. Mais voilà, je le vois comme ça. C'est comme une espèce de libération du péché. Et d'ailleurs, il y a un sketch très intéressant où je crois que c'est deux frères ou deux amis, je ne sais plus. Ouais. Et alors, il y en a un qui... Bon, alors, il couche avec des prostituées. Puis, il y en a un qui meurt. Il meurt. Et donc, il monte au ciel. Bon. Et donc, et l'autre l'attend. Il ne le voit pas arriver. Il est triste. Enfin. Et à un moment donné, à la fin... le fameux ami ressuscite. Oui. Et il revient et il dit « Mais qu'est-ce que vous emmerdez ? Faites ce que vous voulez, j'étais là-haut, ils n'en ont rien à faire de ce qu'on fait de ça. » Je sais pas si tu te rappelles de ce sketch, il y a ce sketch-là. Le gars revient et il dit « Mais là-haut, ils n'en ont rien. Non ce ne frega ni niente del sesso. » Il dit. Je veux dire en italien. Mais c'est très beau, mais effectivement. Voilà. Donc je crois que c'est Pasolini, quoi. Voilà. Mais je crois que c'est ça, le fond, toute la morale de son cinéma, il est à ce point de vue-là, elle est là. C'est-à-dire, allez-y, ne vous embêtez pas. Il n'y a pas de péché à ça. Voilà ce qu'il dit. Mais alors, qu'est-ce qui a pris Pasolini pour imaginer un film comme Salo ou Les 120 Journées de Sodome, qui suit cette trilogie de la vie? Ah ben là, alors je crois que là aussi, il faut se replonger dans le contexte historique de l'Italie, parce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même des films qui sont dans un contexte particulier. Salò, Les 120 Journées de Sodome, est sorti en 1975. Depuis 7 ans à peu près, l'Italie est aux prises avec une agitation terrible. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu mai 68, après il y a eu beaucoup de grèves, mais enfin, petit à petit, ça se calmait. Oui. En Italie, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a eu ce qu'on a appelé la bataille de la Valle Giulia, avec comme une bataille rangée entre les étudiants et la police. Et derrière, il y a eu deux mouvements particuliers. Il y a eu un mouvement dont je ne me rappelle plus le nom, mais enfin, c'était un mouvement anarchiste, hein, mais qui était très répandu. Ouais. Et c'était des tas de jeunes qui occupaient les places, et puis qui étaient là, ils chantaient, ils dansaient, même ils faisaient l'amour en public, etc. Ils avaient envie de manger, mais ils rentraient en fond dans le magasin, ils prenaient, ils partaient. Il y avait des appels à plus payer le téléphone, plus payer l'eau, il y avait une insoumission totale. Et puis, il y a eu, évidemment, les Brigades Rouges. Bon, qui ont commencé en 69, et puis ça s'intensifiait, les Brigades Rouges. Il y avait bien entendu ces attentats, on connaît tous l'affaire Aldo Moro, etc. Je ne sais pas s'il faut... Mais il y avait aussi, je dirais, cet appel à l'insoumission dans les usines. Il y avait la jambisation, la gambisation, c'est-à-dire, on disait aux ouvriers de tirer dans les jambes des contremaîtres s'ils cassaient les pieds, quoi. Il y avait une tension sociale qui était énorme. Avec un duel entre l'extrême gauche et l'extrême droite, des morts des deux côtés, enfin voilà quoi, particulier. Alors il est bien évident que dans ce contexte, il a commencé à y avoir une nostalgie du fascisme. Voilà. Puisqu'on voulait un retour à l'ordre. Et il y a même eu une tentative de coup d'État complètement avortée, parce qu'en fait, ça c'est ubuesque, hein, c'est du prince Borghese, qu'on appelait le prince noir, enfin parce qu'il était fasciste, etc., qui avait voulu faire un coup d'État. Et ce coup d'État, bon, n'a pas du tout marché, hein, ça a été vraiment un pchit monumental. Mais enfin, disons que dans la tête de gens comme Pasolini, le retour du fascisme arrivait.
Et c'était, il pressentait un retour du fascisme. Et donc, il a fait ce film, Salaud, les 120 journées de Sodome. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il voulait faire ressentir, pas montrer. Il voulait que les gens ressentent dans leur chair les douleurs que pouvait provoquer le fascisme. Oui. Pas simplement qu'on dise, ah ben, il y a eu des morts, ah ben, il y a eu des gens enfermés, mais que les gens ressentent, qu'ils souffrent en regardant le film. Et c'est vrai qu'on souffre en regardant c'est ce vrai, film. C'est vrai. On a un ressenti. Mmh. Alors, pour ceux qui aiment le cinéma trash, alors là, vraiment... Vous serez servi. Vous serez servi, puisque ce film a été censuré jusqu'aux années 2007 ou 2008. Je crois qu'on ne pouvait pas le voir et qu'il est ressorti à ce moment-là en DVD et autres. Vous savez, parfois, quand on parle d'un vieux film, on dit de ce film, mais c'est un film très choquant, etc. Puis quand vous le voyez, on a vu tellement de choses aujourd'hui avec des séries de films d'horreur comme ça. Comme l'Exorciste, par exemple, maintenant, on regarde l'Exorciste. Bon, maintenant, on voit l'Exorciste ou même Massacre à la tronçonneuse. Même certains disent, oh, ça fait pas peur, etc. Je peux vous assurer que Salaud, c'est un film qui conserve son aura de ténébreuse. C'est vraiment... Vous êtes mal. Quand vous voyez le film, vous êtes vraiment très mal. Oui, parce qu'encore une fois, Pasolini filmait pas les choses comme tout le monde. C'est-à-dire que c'était pas, encore une fois, il n'y avait pas des effets spéciaux, il n'y avait rien. Oui, c'était cru. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est cru, l'atmosphère, elle est glauque. L'histoire du film, c'est quoi ? Bah déjà, c'est une adaptation d'un bouquin du Marquis de Sade. Voilà. Donc, les 120 journées de Sodome. Les 120 journées de Sodome, qui est également un livre terrible, par ailleurs. Voilà, exactement. Oui, oui. Au moins aussi terrible que le film, si ce n'est davantage. Réadapté et transposé dans l'Italie fasciste des années 40. Oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est la fin du fascisme. C'est-à-dire que le film se passe, je crois, en 44 ou 45. Enfin, je crois 45 même. Oui. Et c'est les troupes américaines qui remontent la péninsule et les fascistes qui... Au moment où ils étaient retranchés dans cette ville de Salo. Voilà, Salo qui était la capitale de la République fasciste de Salo, qu'avait monté Mussolini, puisque Rome avait été prise par les Alliés. Et c'était la capitale de ce qui lui restait, on va dire. Et là, on voit donc dans ce film quatre dignitaires fascistes. Hein, alors un qu'on appelle le duc, l'autre le cardinal, l'autre... Mais c'est des archétypes, en fait. Voilà, c'est des archétypes, en fait. Chacun symbolise un des piliers du pouvoir. Et il décide, en fait, de faire une rafle de jeunes gens, donc jeunes filles, jeunes hommes, et de pouvoir se défouler sur eux pendant 120 journées, c'est-à-dire que pendant 120 jours, ils peuvent, ça devient leurs objets à la fois sexuels, leur corps n'est plus rien. Le scénario est celui d'un film de torture, si on veut. Bah oui, c'est ça. Alors, dans ce film, il y a trois cycles. Il y a un cycle, le premier cycle, c'est le cycle du sexe, donc c'est comment est-ce qu'ils s'en servent sexuellement. Alors, avec des scènes, alors là, encore une fois, très crues, mais encore une fois, n'imaginez pas, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Oui, c'est inconcevable. Et que vous ne verrez plus, d'ailleurs. C'est encore une fois, c'est pas Emmanuel, bien sûr, c'est pas, je sais pas quel film porno ou quoi, ça n'a rien à voir avec tout ça. Oui. C'est vraiment des choses, et il faut le voir pour le croire, quoi. Oui. Voilà, Moi, j'avais été très marqué par les scènes de mariage forcé. Je trouvais qu'il n'y avait rien de plus... C'est même répugnant. C'est répugnant, parce qu'il n'y a rien de pire. Tu ne peux pas être réduit plus en esclavage que si on t'impose un partenaire. Et c'est filmé de telle manière qu'on sent un malaise terrible, quelque chose qui serre le cœur, en fait. D'autant que plus le film avance, les mariages deviennent des mariages homosexuels, forcément. Voilà. Parce que, évidemment, totale, les quatre qui sont censés représenter la morale et l'ordre fasciste ont tous les vices, en fait, en réalité. Donc, à tous les points de vue, ils sont à la fois et homosexuels, et bisexuels, et transsexuels, enfin tout, ils se déguisent en femme. Enfin, tout y passe. Bon, oui, et tout est montré d'une manière. Alors, c'est ça qui est d'ailleurs assez curieux, parce que on va dire que Pasolini, qui jusqu'à présent montrait toujours le sexe comme une forme de ripaille joyeuse. Oui. Bon, ben là, alors là, c'est carrément glauque, c'est sinistre. Mais c'est justement le retournement du sexe qui n'est plus une volonté entre des êtres qui s'apprécient, on va dire, mais le sexe qui est imposé. Et je crois que c'est ça qui fait que cette première partie du film, le film dure 3 heures, chaque partie fait à peu près 1 heure, et cette heure-là plonge dans un malaise abominable. C'est vrai. Abominable. On sort de là, mais on est effectivement. Alors, ce soir-là, pour le coup, on n'a pas envie de passer un petit moment avec sa femme derrière. On a comme une espèce de malaise terrible et même, je dirais, un dégoût du sexe, même au bout de cette heure-là. C'est vrai. La deuxième n'est pas mieux. La deuxième, alors je crois que tu vas en parler toi, parce que moi, j'ai même pas pu voir certains passages. Alors là, excuse-moi, mais alors, pourtant, j'en ai vu. Hein. Mais alors là, cette heure-là, il y a des passages coupés, je suis désolé, j'ai pas pu voir. C'est un peu articulé comme un cauchemar. C'est-à-dire que dans un cauchemar, vous voulez trouver une issue, et plus vous essayez de fuir, et plus ça empire. Donc, le deuxième cercle est dit celui de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, aux scènes de sexe s'ajoutent des scènes scatologiques. Particulièrement horrible, avec vraiment des tortures. On voit une jeune fille confort, c'est une jeune fille très pure, justement. C'est ça qui fait mal, une jeune fille blonde aux yeux bleus, qui est vraiment la gentillesse, la douceur et l'innocence. Mais je crois que rien que de le dire est abject, en fait. D'ailleurs, je ne vais pas Vous avez tout à fait compris, en fait. Vous avez compris, en fait, cette heure-là est vraiment...
une souffrance. Hein. Alors bon, oui. C'est une souffrance. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on regarde parce qu'en fait, on comprend bien en fait ce qu'il veut dire. Il veut dire vraiment que le fascisme nous a servi de la merde en quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Que vraiment, on a été forcé d'avaler des tas de choses. Enfin, c'est toujours un peu, il y a toujours un rapport à faire avec. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le film a été réalisé dans les années 70 et que Pasolini voulait dire quelque chose de l'époque en cours. C'est pas seulement une critique en tant qu'homme de gauche de ce qu'a été le fascisme ou le nazisme, c'est une critique de la société totalitaire qui est en train d'arriver. Oui, ça aussi, c'est ça qui est important. D'ailleurs, il a même expliqué la dernière. Et justement, même par exemple, la première phase s'appelle le cycle du sexe. Lui, il le voit justement comme également non seulement le fascisme, mais également comme cette sexualité un peu systématique et frénétique qui commençait à apparaître avec le cinéma X, qui faisait ses débuts en quelque sorte. Mais tout de suite, il a vu en fait que toute cette phase-là allait être récupérée par les marchands et commercialisée et retransformée, retravaillée dans un but de profit. Et ça aussi, ça, on va dire, c'est subliminal à ce film-là. Si vous voulez, pour bien comprendre la vision que Pasolini avait du sexe en tant qu'anticonformiste, lorsqu'il fait la trilogie de la vie et les films dont on a parlé tout à l'heure, pour lui, le sexe est un instrument populaire pour, j'allais dire, lutter contre le pouvoir. En tout cas, pour s'amuser malgré un pouvoir très fort. Voilà, et donc, en fait, là, on est un espace de liberté. Voilà. Et tout ça a muté quand la société de consommation s'est installée et le sexe est devenu un instrument du pouvoir pour, en fait, lobotomiser les gens et les contraindre. Voilà. Et d'ailleurs, Pasolini a dit que même le fascisme n'avait pas un aspect aussi coercitif aussi destructeur que la société de consommation. C'est pour ça que vous le connaissez. Qu'il voyait comme vraiment une société génocidaire, un génocide sans mort, mais une façon de conditionner les esprits et d'uniformiser, et que pour lui, le fascisme n'était vraiment qu'à des stades vraiment primaires. Je réalise, Olivier, qu'on a oublié de dire quelque chose de très important sur sa vie. Bon, on a précisé qu'il était homosexuel. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que son point de vue sur la guerre est un peu biaisé du fait que son petit frère a été tué, je crois, pendant la guerre. Oui. Et ça l'a énormément marqué, forcément, quoi. Oui, bah, en cela, ça ne devait pas être le seul, quand même, je dirais. C'est sûr, mais enfin, c'est sûr que la guerre a beaucoup marqué. Alors, peut-être que lui, étant un artiste, a ressenti d'une autre manière. Et il avait effectivement, je dirais, l'injustice au cœur. Enfin, je veux dire, il ne supportait pas l'injustice. Et encore une fois, ce qu'on peut apprécier chez lui, même si on n'adopte pas ses idées, c'est, encore une fois, ce n'est pas notre cas à nous ici, mais c'est sa sincérité. Et ses films, on sent qu'ils sont faits avec leurs tripes. C'est vrai. On sent que quand il aime, il montre qu'il aime les enfants du peuple, on voit qu'il les aime vraiment. On voit qu'il est charitable, qu'il est bienveillant avec eux, même quand ils font des bêtises. Et on sent que c'est partagé. Oui. Donc c'est quand même la sincérité, l'amour du peuple et l'amour. Et il nous montre bien les façons de vivre de ces populations-là. Et justement, tout ce que l'Italie va perdre avec l'industrialisation et la société de consommation. Le dernier cercle est celui du sang. Il est sanguin. C'est celui dans lequel certains esclaves sexuels sont sauvés, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, et d'autres sont exécutés de manière assez arbitraire. Et assez atroce. Assez atroce. Avec des tortures particulières. Mais là, on peut avoir une analyse de pur cinéphile, qui est, malgré l'horreur de la scène, il y a une espèce de coup de génie, moi je dirais que c'est un coup de génie, c'est que Pasolini a l'idée de filmer et de montrer les scènes d'exécution à travers les jumelles des tortionnaires. C'est-à-dire que les tortionnaires se mettent loin de la scène et l'observent de loin. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, parce que je me suis dit finalement, c'est la seule manière pour une ordure de jouir de telles horreurs, c'est d'être loin, de pas entendre les cris. Et puis c'est l'idée qu'on commandite l'horreur, c'est l'idée que le pouvoir, c'est des beaux messieurs en beaux habits, etc. Et eux, ils se salissent pas les mains. Oui, ça déréalise ce qui est en train de se passer en fait. Alors, ça le déréalise, mais enfin, on le voit bien quand même, et c'est bien vu, et c'est très sanguin, et encore une fois, comme c'est très réaliste, et ça n'a rien à voir avec les scènes d'horreur que vous pouvez voir. C'est-à-dire que les mêmes scènes que vous allez voir aujourd'hui, c'est devenu aseptisé, je dirais. Non, c'est du jamais vu. En fait, alors on a atteint un pic. Jamais j'ai vu ça dans aucun autre film. Non. C'est-à-dire que, je me souviens bien simple, il y a des scènes de torture, quand vous les voyez, vous ne comprenez même pas comment il a pu les filmer. C'est ça qui est incroyable, parce qu'on a l'impression que je ne vais pas vous décrire ce qu'il y a, vous le verrez. On se dit qu'il n'y a pas des effets spéciaux à l'époque, donc C'est même pas en Italie, il y avait quand même pas des effets spéciaux géniaux, c'était pas les États-Unis, on va dire. Mais en attendant, vraiment, on a l'impression de vivre des scènes avec des tortures abominables, et on a l'impression de les vivre. Alors effectivement, il y a toujours ce prisme de la jumelle de loin, mais on comprend ce qu'il veut dire. Oui.
On comprend qu'il veut dire qu'en fait, le pouvoir, finalement, joue de nos corps et nous piétine et nous torture. Voilà, c'est une forme de... Pour lui, le pouvoir, tout pouvoir est sadique, en fait. Oui, parce que je crois que ça dépasse même le fascisme dans ce film-là. C'est une critique de l'élite en tant qu'élite qui vit au-dessus des autres et qui fait ce qu'elle veut. Exactement. Et d'ailleurs, si tu observes bien, chaque forme de torture peut avoir aussi une symbolique. Par exemple, on va le dire, il y a par exemple certains jeunes qui se font arracher les yeux. Oui. Bien, ça aussi, on peut dire que bon, on les rend aveugles comme ça. Enfin, c'est pas seulement la torture, mais c'est les aveugler, les priver de leur sens oculaire pour qu'ils ne voient pas la réalité des choses. On peut y voir une allégorie partout, mais c'est bon. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'âme trop sensible, Mais pour tous les cinéphiles, c'est un film à voir parce que unique. Unique en son genre. Unique, et je vais vous dire, c'est vrai que franchement, si vous regardez ce film, ce serait bien d'avoir le retour des jeunes qui sont habitués au film actuel, pour qu'ils ressentent la différence, parce que je sais que ça va vous marquer beaucoup plus que tout ce que vous avez l'habitude de voir là aujourd'hui. Ah oui, oui. Et que ça va vous créer un malaise qui va être, à mon avis, bien plus fort que les films, comme tu mettez tous vos films d'horreur, c'est Didier Azéné à la poubelle. Hein. C'est tout à fait autre chose. c'est quelque chose que vous ne verrez pas autrement. Ouais. Et puis évitez de la montrer ça à une copine du moment parce qu'elle pourrait vous prendre pour un cinglé, quoi. Oui, alors il faut savoir que, par exemple, quand le film Salaud est sorti, dans les cinémas, ils donnaient un sac plastique pour que les gens puissent vomir. Ça se comprend. Non, mais c'est la vérité. En plus, sur grand écran, t'imagines. Ah oui, sur grand écran avec les trucs et tout. Non, je ne sais pas. Moi, je te dis franchement, il y a certaines scènes, je n'ai pas pu les voir. Ouais. Moi. Et alors, bon, là, on revient à la vie de Pasolini. Quelques mois, je crois, après la. Je crois que le film n'était même pas sorti. Il était bouclé, mais il n'était pas sorti. Pasolini était assassiné. Sur une plage à Austin. Il est retrouvé mort, voilà, un matin. On connaît un peu les circonstances, même si ça a beaucoup fait parler, mais apparemment, il aurait amené un amant dans sa voiture, qui était un homme prostitué. Oui. Et en fait, cet amant l'aurait tué d'abord à coup de... Oui, et puis après, il aurait roulé dessus avec sa voiture, une Alfa GT. Ça, c'est pas un peu pour l'époque. Hein. Alors là, tous les scénarios sont possibles, que tous les complotistes se mettent à écrire en commentaire. Il y a eu des films depuis. Ne s'est-il pas fait tuer, etc. Pourquoi aurait-il été tué? Alors, on dit qu'en fait, ce seraient justement des fascistes ou des gens du gouvernement qui auraient tué Pasolini parce qu'il devenait beaucoup trop subversif. Et que penses-tu à ce sujet, toi ? Moi, je pense à rien parce que j'ai pas enquêté à ce niveau. Bon, les fameux films qui ont été faits derrière sont faits toujours par des gens qui appartiennent toujours aux mêmes tendances, donc on ne sait pas. Alors, c'est difficile de savoir. Franchement, moi, je sais pas. Je peux pas te dire. Honnêtement, bon, il faut quand même bien voir les choses en face. Quand tous les soirs tu sors, tous les soirs tu vas dans les quartiers chauds, tous les soirs tu es avec des jeunes loubards. T'as beau être Pasolini, t'as beau être ci, t'as beau être là. Il faut bien dire que tu prends des risques quand même. Mais oui, mais j'étais en train de créer un mythe et tu casses ça, Olivier, parce qu'en fait, c'est la réalité. Évidemment, c'est la réalité. Alors après, justement, on va te dire, mais peut-être qu'ils ont joué sur cet aspect-là. Peut-être qu'ils ont fabriqué la chose en disant, mais c'est très probable que ça lui arrive. Bien sûr, mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Ben, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est des morts comme ça, c'est comme Kurt Cobain. Kurt Cobain qui se suicide, est-ce si peu plausible que cela, quand on connaît un peu la vie du bonhomme. Excusez-moi, mais moi, à mon époque, ils suicidaient tous. Hein. Oui, déjà. Je voudrais pas dire, mais alors vraiment, la liste des suicidés entre Patrick Devers, Mike Brand, Dalida, enfin, je peux t'en citer. Bon, alors, il y a Joël, la chanteuse du Il était une fois, qui s'est pas suicidé, mais enfin, des overdoses. Romy Schneider, bon. Ouais. Alors maintenant, ils se suicident moins. Oui, c'est vrai. Ils ont peut-être moins la fibre artistique aussi. C'était la période. Donc, voilà, notre point de vue avec Olivier, c'est que Pasolini est mort de sa vie de. Voilà. Oui, d'une manière ou d'une autre, oui, je pense qu'il a payé à ce moment-là les risques qu'il a pris toute sa vie, oui, en quelque sorte. Oui, c'est bien triste, parce qu'on a loupé des grands films, certainement, qu'il aurait continué à faire. C'est vrai. C'est évident, mais alors après, moi, te dire s'il a été tué par cela, pas par ceci, etc. Oui. Parce qu'après, il faut quand même savoir une chose, et on est bien placé pour savoir, la gauche est capable de te créer des mythes extraordinaires, c'est-à-dire que, pour elle, Pasolini est mort, forcément, il ne pouvait pas mourir d'une chose banale, on va dire, enfin, d'une chose ordinaire. Et qui, au fond, est assez humiliante, soyons clairs. C'est-à-dire, en fait, pour un génie comme ça, un artiste aussi accompli, mourir parce qu'on a choisi le mauvais gigolo. Je ne sais même pas si à lui ça lui aurait été plus finalement cette fin-là, parce qu'il aimait bien quand même. Non, mais enfin, si tu veux, encore une fois, c'était ça qu'il aimait, partager sa vie avec ça. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est-à-dire que c'était un mec qui était sur l'Olympe du cinéma mondial. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'à l'époque, Pasolini, c'était, je vais dire ça comme ça, c'était une méga star, quoi. Oui. Je veux dire, il était connu dans le monde entier, c'est-à-dire au Japon, en Italie, en France, aux États-Unis, ses films passaient partout.
Hein, et vraiment, et alors, il avait ce côté, évidemment, le végétariat, bien sûr, mais alors, en plus, avec une aura intellectuelle. C'est-à-dire que c'était pas seulement un cinéaste, il était comparé à Jean-Paul Sartre, par exemple, des gens comme c'est ça, là on voit... ou à Michel Foucault, etc. Avec, il avait l'aura intellectuelle en plus. On voit ici l'évolution de la société, parce que vraiment, l'équivalent, ce serait aujourd'hui des mecs comme Lars von Trier sont appréciés des cinéphiles les plus aguerris, mais en aucun cas ne sont des rockstars. Alors qu'à l'époque, t'avais 18 ballets, t'amenais ta petite copine voir un Bergman ou un Pasolini. Et là, on voit à quel point la société a changé. Moi, c'est ça qui me désole un petit peu. Je suis vraiment désolé, mais je ne veux pas faire vieux con non plus. Hein, mais franchement, je trouve que vraiment, il y a une qualité de film et un niveau, justement, de message, un niveau intellectuel, un niveau de culture qu'on trouve rarement maintenant. Et comme tu le dis, quand on le trouve, ces films-là n'ont pas le succès qu'on avait avant avec, par exemple, les films de Fellini, films de Pasolini, mais aussi les films de Kubrick. Je ne suis même pas sûr que les films de Kubrick aujourd'hui aura encore le même succès. Pas forcément, je suis même pas sûr qu'il trouvera un financier. Parce que même le problème, il est à la base. C'est-à-dire que Kubrick va... Prends Kubrick. Il va présenter 2001, l'Odyssée de l'espace. Pendant 40 minutes, il y a des chimpanzés ou des trucs comme ça qui se battent entre eux. Mais quel cinéaste va vouloir filmer ça? Quel producteur va dire bah, « Tiens, je te mets 20 millions d'euros ou 30 millions d'euros. » Non, mais c'est sûr. Bah, voilà, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on est dans une société... Et c'est pas la faute de la société. C'est la faute de cette rentabilité immédiate qui est imposée par le monde de la finance. Alors, je voudrais pas refaire une autre émission qu'on a fait avant. Mais enfin, quand même... Mais tout ça est lié, hein. C'est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ben voilà, le mec, il est producteur, il s'occupe d'une branche de la production dans un grand studio. Bon, ben, il dit, mais je vais pas prendre des risques. Moi, je vais faire les trucs qu'on a l'habitude de faire. Je sais que si je mets ça, une petite dose de sexe, une petite dose de violence, une petite gosse de sourire et compagnie, ben, ça va marcher. Ouais. Donc, je vais pas prendre le risque de prendre Kubrick avec ses chimpanzés, et puis après, son objet qui passe dans l'air pendant des heures, l'ordinateur qui parle pendant 20 minutes. Si tu veux, c'est quelque chose... Je me mets à la place du type qui va lire ça aujourd'hui et qui sait qu'il faut qu'il fasse un film à 300 millions d'euros de budget. Ouais. Moi, je suis désolé, je pense que le mec, il va pas signer. C'est ça, ouais. Mais même s'il voit le truc génial, il va pas savoir comment l'expliquer. T'imagines la réunion chez le producteur qui dit le scénario, quoi. Alors attendez, l'os, on le lance dans le ciel, après ça devient un vaisseau spatial. Ouais, on comprend rien à votre histoire. On comprend rien. Enfin, t'es dingue, cette histoire. Les mecs vont te dire, mais qui va prendre le mec qui va dormir au bout d'une demi-heure. C'est sûr. Mais il faut leur vendre des somnifères en même temps que la place du film. Et pourtant, voilà, c'est l'un des films les plus géniaux. Et comme aujourd'hui, plus personne ne prendra de risques là-dessus, eh bien, on passe à côté de tas de trucs géniaux. Oui, c'est vrai. Et on passe à côté de tout, je pense vraiment. Et c'est, franchement, c'est pour ça que je serais content que cette émission passe bien, parce que je voudrais que les gens, les jeunes, voient autre chose. Oui, c'est ça. Ça leur plaît, ça leur plaît pas, mais essayez. Vous allez peut-être perdre une heure avec un film de Pasolini. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Mm-hmm. Mais essayez. Et vous allez voir le choc que ça va vous faire. Oui, oui. Ça va vous faire un choc. Et ça va peut-être vous donner envie de voir autre chose. Et c'est comme ça que petit à petit, la société peut évoluer, qu'on peut réimposer une certaine forme de création artistique et de diversité. Parce que s'il y a un public pour ça, à nouveau, il y aura des œuvres, forcément, qui répondront à ça. Forcément, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait... S'il y avait trois films de Pasolini à conseiller, on pourrait... Ah ben moi, je pense qu'il y a trois périodes à voir. Ouais. Il y a d'abord Mamma Roma, qui est époustouflant. Alors, qui celui-ci est plus facile d'approche. Enfin, ça, Mamma Roma, vous allez le voir avec votre grand-mère, vous allez le voir avec votre copine et compagnie, tout le monde va aimer. Parce que c'est un film hyper sensible, avec de l'émotion. Ouais. Avec de l'émotion. Bon. Et un film particulier, encore, tous les films de Pasolini sont particuliers, c'est pas... Mais il y a beaucoup d'émotions. Et une émotion, elle transpire de partout. Après, moi, je dirais... C'est dur à dire. L'Évangile, quand même. Je vais dire l'Évangile sur Saint-Mathieu. Voilà. Ouais. Moi, je dirais quatre films, pour prendre quatre périodes. Quatre films, exactement. On va prendre l'Évangile sur Saint-Mathieu. Moi, je dirais le Décaméron, plutôt. Ah oui, d'accord. Ah oui, remarque, oui, d'accord. Non, parce qu'au moins, on rigole. Alors, Théorème, bon... Non, c'est vrai, c'est pointu, quoi. Moi, je crois que Théorème, il faut le voir quand on en a vu d'autres. Oui. Il faut s'habituer. Parce que là, c'est plus... C'est vrai. C'est plus pointu. Moi, je dirais le Décaméron, parce que de toute façon, le Décaméron, vous allez rigoler. C'est vrai. Et je vous répète, j'ai montré à mes neveux qui avaient 18 ans, ils se sont arrêtés, tout le film, ils ont ri. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, Salaud pour l'expérience, quoi. Ah ben, Salaud, c'est pour les plus avertis. Tu sais que... Ceux qui n'ont peur de rien. Quand j'ai fait un entretien avec Renaud Camus, on a évoqué Pasolini hors champ. On a beaucoup parlé, mais il m'a dit qu'il était incapable de voir Salaud, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté à la moitié du film et qu'il n'avait jamais vu la fin. Moi, y a, honnêtement, il y a une ou deux scènes que j'ai coupées pendant 4-5 minutes parce que bon, c'est trop. Ouais. Et pourtant, moi aussi, honnêtement, je suis un spectateur averti. Hein, je peux te montrer ici, j'ai des DVD partout. Mm-hmm. J'ai regardé des tas de films. Moi aussi, je regarde des films d'horreur, des trucs comme ça. D'ailleurs, on aimait beaucoup ça quand on était jeune. Hein, bon, et mais si tu veux, il y a des passages là, c'est au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pasolini avant de laisser l'antenne ?
Alors, moi, je voudrais te prendre une citation de Pasolini. On va revenir un peu à la politique. Pour que vous compreniez bien qui était Pasolini et que, bien que je pense que vous êtes tous un public de droite, et je vous en félicite d'ailleurs. C'est bien. Mais pourquoi vous allez apprécier Pasolini? Eh bien, je vais vous prendre une citation de lui. En mai 68, on lui a demandé à la télé, Pierre Paolo, bien entendu, vous soutenez le mouvement de mai 68. Et est-ce que vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit pas du tout, je soutiens les CRS. Oui. Parce que c'est les fils de prolétaires. C'est ça. Alors que les manifestants, ce sont les fils des bourgeois. Oui, oui. Cette grille de lecture marxiste, finalement, marxiste, si on veut. Moi, je dirais sociale. Pas marxiste, social. Non, non, il aimait le peuple et il n'aimait pas la trahison du peuple par des fausses idées. Ça a été un des premiers à dire ça. Et après, il a commencé à être mal vu par ses amis de la gauche. Il a dit, attention, il faut suivre le mouvement. Et il dit, non, mais bon, moi, je préfère. Je suis plus. Non, il était sincère. Je suis il plus était sincère. Le flic de base que Cohn-Bendit, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Clairement. Il l'a dit clairement. Donc, vous voyez. Il avait la sincérité poussée à fond, parce que là encore, il faut bien comprendre quelque chose. Un cinéaste dit de gauche qui dit ça à l'époque, et au moment même où ça se passe, il est bien évident qu'il allait se mettre des tas de gens à dos. C'est considéré comme une trahison. Une trahison, bien sûr. Alors, moi j'avais lu un livre sur la vie de Pasolini. Figure-toi que Salo devait être, pour lui, c'était le début d'une trilogie du cauchemar qui répondait à la trilogie de la vie. On se demande qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus que Salo. C'est tout de même incroyable. Oui, il a s'arrêté. Oui, bon, enfin bref. Voilà. La vie, on a décidé ainsi. En tout cas, je pense qu'il nous laisse une œuvre vraiment unique. Et encore une fois, il n'y a jamais eu ça avant et il n'y aura jamais plus ça après. C'est malheureusement ce que je pense. Probablement, oui. Voilà. Alors écoutez, si vous avez apprécié cette première émission spéciale cinéma avec ce compte-rendu sur la carrière très rapide, on pourra en parler encore 3 heures, de Pier Paolo Pasolini, eh bien on en fera d'autres. On en fera d'autres avec Olivier. Oui, volontiers. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire de quel cinéaste vous voudriez que nous... Oui, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup de films dans ma vie. J'ai une passion pour le cinéma, comme pour l'écriture d'ailleurs, et pour la peinture. Mais alors, le cinéma, je sais que c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. Mm-hmm. Et pour moi, c'est un art qui est aussi valable que les autres. Voilà, donc... encore une fois, je pense qu'il y a eu un âge d'or du cinéma et que je pense que cet âge d'or, vous le méritez, vous aussi les jeunes. Il suffit que vous vous initiez un petit peu à ça et vous allez avoir vraiment un plaisir formidable. Vous allez conquérir, je pense, de nouveaux plaisirs et de nouvelles passions. Si moi, qui n'étais pas contemporain de cette époque, j'ai pu y trouver du plaisir, vous aussi, hein, bien sûr, ce sont des films intemporels. Complètement, mais en fait, en réalité, si ça passe pas à la télé, c'est pour des raisons commerciales, hein. C'est pas parce que le film, je suis sûr que si vous remettez le film là, il trouverait son public, il y aurait beaucoup de gens qui seraient intéressés. D'ailleurs, moi, chaque fois que je fais visionner ces films à des jeunes, tout le monde est impressionné, tout le monde a envie de voir après. Exactement. Ouais. Mais bon, nous sommes dans une ère ultra commercialisée, donc il faut vendre de la nouveauté. Hein. Mais, par rapport à ce que tu dis, justement, je crois que le premier film de Pasolini que j'ai vu, c'est pour montrer à quel point la curiosité vous amène au grand art, je crois. Je pense vraiment qu'il y a une objectivité du beau. Et je me souviens, sur Arte, il y avait un film de Pasolini qu'on n'a pas évoqué, parce que c'est vrai qu'il est mineur sur l'ensemble de ses carrières, c'est Des oiseaux petits et grands. Oui, avec Toto, je crois. Avec c'est Toto, ça. Qui est une comédie, on peut dire. Oui. Et je me souviens que ça m'avait marqué parce que le film commence, je me dis, un film noir et blanc. Vous savez, quand on est petit, hein, un film en noir et blanc, barbant. À part Chaplin, pas top. Hein. Bon, et le film commence et le générique est chanté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le nom de Pasolini qui apparaît et un chanteur chante le nom des... Et je me suis dit, mais j'ai juste jamais vu ça, en fait. Un genre de chanteur de rue, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est un univers ultra populaire, en fait. Tout à coup, vous êtes projeté, vous dites, je vais regarder. Et le film est mineur, mais enfin, c'est un film quand même... Là encore, c'est un film unique. Hein, c'est un très bon film. On voit ce film-là et puis on ne verra jamais d'équivalent, quoi, en fait. C'est vrai. C'est un truc, on ne va pas en parler parce qu'on ne va pas faire le tour de la question, mais enfin, c'est des films... Encore une fois, vous voyez un film, vous n'en voyez pas deux comme ça. Exactement. Vous ne reverrez plus l'équivalent. C'est le propre des grands cinéastes, je pense. Exactement. Bah écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Moi Olivier. De même, en tout cas, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble, c'est essentiel. Dites-nous ce que vous en avez pensé et puis surtout, proposez-nous d'autres films ou donnez-nous vos interprétations sur les films dont on a parlé. Peut-être que parfois on a dit n'importe quoi sur certains films. Oui, ça, on n'a pas la science infuse, hein. Nous, on fait partager juste nos émotions et ce qu'on a vu et on essaye de vous redonner. Mais enfin, tous les avis sont dans la nature. Hein. Pour les gens qui connaissent déjà Pasolini, vous pouvez très bien débattre avec nous, trouver que là, on a trop insisté là-dessus, on n'était pas. Pourquoi pas. Voilà. On est ouvert à tout. Merci Olivier. Merci à toi. Merci à vous les amis. Bonne soirée.